mercredi 5 août, j'espère que vous allez bien. Je reviens de la rivière, j'y ai laissé mes garçons, je reviens vers chez mes parents parce que ce soir on organise une fête pour leurs anniversaires respectifs, donc il faut que je mette la main à la pâte un peu. Juste pour vous dire que j'ai fini des lectures, il faut que je vienne vous en parler. J'ai fini 2 livres et un manga et j'ai abandonné un livre. Je vais voir si je peux venir vous en parler peut-être demain, si je trouve un moment, et vous faire un point peut-être en fin de semaine prochaine aussi pour ce vlog du sud. Voilà, mais je fais des chouettes lectures, je lis pas mal pour le moment, donc c'est cool. Je m'éclate avec les aventuriers de la mer, mais je savoure, j'essaie de pas lire que ça. Parce que j'ai envie de dire d'autres choses, tout simplement. Mais j'adore. L'aventurier de la mer de Robin Hobb. Je m'éclate. Voilà.
Elle était cassée, la tasse. Mais mon homme l'a réparée. Je l'adore, cette petite tasse. C'était dommage. C'est très chaud. Donc, on est mercredi 17 août. Il faut que je vous dise ce que j'ai lu, que je vous fasse des petits récaps sur ce que j'ai lu. Ça sera un peu vite fait parce que j'ai pas trop de temps et que bah, c'est pas grave, c'est comme ça. Il y a des moments les carnets de lecture seront plus courts, là c'est les vacances donc je vais essayer d'être rapide. J'ai abandonné, je l'ai pas avec moi d'ailleurs, Blitz, le premier tome de Blitz de Connie Willis. Qui est de la science-fiction. C'est un livre qui est en deux tomes. C'est écrit par une femme qui est américaine. Il a été pas mal plébiscité. Mais alors moi, j'ai pas du tout accroché. J'ai lu les 80 premières pages. En fait, c'est une histoire qui se passe dans un futur. On va dire, on est en 2050, je crois, quelque chose comme ça. Et des historiens retournent dans différentes époques du passé pour étudier les grandes périodes de l'histoire. Et donc on va suivre certains historiens qui font des allers-retours, en fait, des sauts en fait, dans le passé. Et on va d'abord, c'est très introductif au départ, et on va nous présenter qui sont ces personnes. Enfin, on va pas vraiment nous les présenter, on nous les présente. On ne sait pas trop si on est dans le passé, on ne sait pas pourquoi ils sont là. J'ai trouvé que c'était hyper brouillon. Je n'arrivais pas trop à situer le pourquoi du comment et ce qu'on allait pouvoir en tirer. J'ai pas trop aimé le style, que j'ai trouvé lourd. Bref, j'ai abandonné. Ce livre faisait partie de ma pile à lire de l'enfer. Et c'est le premier que j'abandonne de l'année, parmi les 12 que j'ai choisis. Donc la pile à lire de l'enfer, c'est un livre par mois que j'ai choisi en début d'année. Généralement des livres qui me font un peu peur dans ma bibliothèque. Et donc du coup, je me motive, je me donne un coup de pied pour les lire avec ce challenge annuel. Là, du coup, je l'ai abandonné, c'est pas très grave. Je l'ai laissé à mon père qui est en train de le lire, qui est mitigé sur sa lecture, mais qui me dit qu'il va le lire. Par contre, je lui ai dit, écoute, si ça te plaît, je t'offrirai le second. Et je suis pas sûre qu'il ait envie. Donc vous voyez, c'est pas... voilà. Mon père est peut-être un lecteur un peu plus courageux que moi, je pense. Et puis tant mieux, si ça lui plaît. Voilà, c'est une très belle édition, mais j'ai abandonné, voilà. Alors moi, j'ai lu 4 livres, alors attendez parce que je les ai pas là, bon c'est pas très grave. J'ai commencé par Archie, j'ai fait la chronique ce matin sur mon compte Instagram, vous pouvez la retrouver si vous voulez, mes liens vers mes réseaux sont en dessous dans la barre d'informations. Archie de Alia Cardin, ici aux éditions Robert Laffont, une très belle édition. Je l'ai mis dans le challenge feuilleton de l'été que j'organise, dans la catégorie j'ai touché le fond de la piscine, puisque c'est vraiment l'histoire d'un renouveau, un renouveau. Donc on suit Archie qui a 16 ans, qui est placé en institution parce que sa mère, qui est toxico et largement dépressive, n'est pas en capacité de s'occuper de lui. Donc depuis qu'il est tout petit, il est suivi et puis il est dans une institution qui s'occupe de lui. Il est épaulé par une personne, une infirmière qui s'appelle Madeleine, qui lui a donné naissance en fait, qui a vu en fait sa mère arriver. Elle a pas vu sa mère arriver. Elle a vu cette femme dans l'hôpital et elle a compris qu'elle était enceinte et qu'elle allait accoucher là, mais comme elle a été complètement défoncée, l'accouchement s'est fait de façon très particulière. C'est assez impressionnant, la scène de cet accouchement. Et alors en fait, je vous explique ça parce qu'on a plusieurs voix, ce sont des chapitres très courts, ce qui donne vraiment un bon rythme au livre. On a la partie actuelle où on suit Archie, donc qui a 16 ans et qui se pose des questions et qui se demande ce qu'il va faire de sa vie. Et une seconde partie qui se base sur un carnet d'écriture de Madeleine, justement cette infirmière, qui
devait écrire ce carnet, en fait, au départ, à la naissance de cet enfant, pour que, justement, il puisse avoir un ancrage plus tard sur ce qui s'est passé. Et en fait, qui a continué, au lieu de lui donner, quand Archie est parti de l'hôpital avec sa maman, au départ, elle continue à l'écrire, et en fait, elle va lui donner, justement, au moment de cette histoire, et ce carnet va l'accompagner dans une décision importante qu'il va prendre à 16 ans, de changer sa vie et de voir les choses autrement. Pour moi, c'est un livre plein d'espoir. On va dire que c'est un livre dramatique, hein, au départ, mais vraiment, vous avez un drame. On y parle de toxicomanie, donc vraiment de drogue, de violence. Voilà, de plein de choses qui sont pas très cool, mais Alia Cardin fait ça de façon douce. Je sais pas si c'est possible de faire ça, mais elle nous raconte cette histoire avec beaucoup de douceur, et je trouve que ce qu'il en reste à la fin, c'est vraiment un grand message d'espoir. J'ai un peu moins aimé la conclusion, mais je pense que c'est une belle conclusion pour ce livre. Mais voilà, ça laisse une empreinte comme ça de douceur que j'ai beaucoup aimé, que j'ai beaucoup apprécié. Donc, c'était le premier livre que j'ai lu quand j'étais dans l'Hérault chez mes parents. Et c'était vraiment très agréable à lire, donc je vous le conseille. Ensuite, j'ai lu Fenêtre sur Terre de Franck Bouys aux éditions Phébus, que j'ai emprunté à la bibliothèque. Donc c'est je l'ai pris au rayon poésie. Et donc Franck Bouys, moi je l'ai connu en écoutant un de ses livres qui est Né d'aucune femme, que j'avais beaucoup aimé sur Audible. Et donc j'ai très envie d'aller voir ce qu'il a écrit d'autre, parce que je pense que c'est un auteur qui peut vraiment me plaire. Et voilà, donc j'étais assez... Quand je suis tombée dessus, je me suis dit tiens, donc il a écrit un recueil de poésie. Donc c'est un recueil de poésie, j'allais dire... de sa terre, de ses souvenirs, de ses sensations, qu'il va illustrer avec des images, des photos qu'il a lui-même prises. Alors, les photos sont bien, mais pas toutes. J'ai pas été très touchée par ces photos, notamment l'impression. J'ai trouvé que c'était assez sombre. Il y en a certaines qui sont quand même très, assez belles, hein, franchement. Voilà, je trouvais que c'était assez mitigé sur les photos. Et j'ai un peu le même sentiment sur les textes. Il y a des textes que j'aime bien, que j'ai vraiment beaucoup aimé, sur la terre, le terroir, l'enfance... Le soleil d'août, il y en a une qui était très belle. Franchement, c'était franchement pas là. Je vais vous lire soleil d'août parce qu'elle est vraiment très courte. Je relève la tête sur le ciel emblavé par le soleil d'août, ne pas baisser les yeux, moissonner les rayons jusqu'à l'aveuglement et ranger la lumière au grenier de mon âme. Je trouvais que c'était assez beau. Franchement, une chouette découverte. On va dire que dans les derniers recueils de poésie que j'ai lus, notamment contemporains, c'est un de ceux que je préfère. Donc voilà, je tiens à le dire quand même que enfin, je trouve des choses qui sont intéressantes. Alors, ça se lit très très rapidement, hein, puisqu'il est vraiment très court. Tiens, j'ai un marque-page dedans, il faut que je l'enlève. Parce que il faut que je le rende à la bibliothèque. Voilà, petit coup de cœur pour son texte sur Alain Bachung. Il prend la voix d'une jeune fille. C'est rigolo. Ce texte, j'ai pas très bien compris pourquoi il était dans ce recueil-là, mais c'était chouette. Parce que j'adore Alain Bachung, si vous ne le savez pas. Voilà, donc lui aussi. Donc je pense qu'on peut avoir des points communs. J'aime beaucoup aussi la forêt, la campagne. Voilà, j'ai bien... Donc là, il parle... Voilà, il est en Corrèze, pour situer un petit peu ce qui est sa terre d'origine. Et voilà. Effectivement, on retrouve tout ce qu'il y a écrit derrière, c'est on y retrouve toute l'authenticité et l'ambiance clair-obscur de ses textes, ainsi que ses personnages et ses décors naturels. Effectivement, c'est vraiment des... Voilà, des personnages ruraux. Ruraux, oui, mais ça. Un peu comme on a pu retrouver dans... Ouais, Né d'aucune femme. Et voilà, donc j'aime bien son écriture, je vous le conseille. Donc vous voyez, encore une belle lecture. C'est pas un coup de cœur, hein, mais j'ai lu et j'ai adoré Les Sirènes de Malibu de Taylor Jenkins Reid.
ici chez Charleston. Je sais que c'est marrant parce que j'ai écouté ce matin Cornelius et hier j'ai écouté Paper Palace qui parlait. Ils l'ont lu cet été aussi. Ils l'ont lu en anglais, donc c'est Malibu Rising en anglais, et ils l'ont beaucoup aimé. Enfin, j'ai vu Cornelius, mais j'ai pas vu la chronique de Paper Palace en fait, parce que j'ai du retard dans mes vidéos. Mais j'ai vu en fait sur sa vignette qu'elle l'avait lu. Ils ont à peu près les mêmes bouquins. Et voilà, donc, moi j'ai vraiment adoré cette lecture pour l'été. Je pense que mon coup de cœur est un peu plus fort que celui de Cornelius, c'est-à-dire que rien ne m'a embêté dans cette histoire. J'ai pas trouvé de... J'ai trouvé que c'était très bien écrit. Alors moi, je connais, j'avais déjà lu Daisy Jones and the Six de Taylor Jenkins Reid, qui avait vraiment été une très bonne lecture. Pas un coup de cœur, mais limite, parce que vraiment, j'avais beaucoup aimé l'ambiance rock and roll, le groupe de rock, même si c'était fictif, et l'ambiance vraiment... interview par un journaliste qui va faire des interviews de tout le groupe un par un pour raconter l'histoire de ce groupe et de Daisy Jones, la chanteuse. Donc j'étais très très intriguée de lire autre chose d'elle, et quand j'ai vu ça je me suis dit tiens c'est bizarre, elle a écrit un truc sur les sirènes de Malibu. Franchement au départ le titre me donnait pas forcément envie d'y aller, ça ressemble vraiment à une romance un peu lambda de l'été. Et finalement, c'est beaucoup plus que ça. D'ailleurs, c'est pas vraiment une romance du tout. Enfin, il y a question d'amour, mais c'est vraiment pas le sujet numéro un. En fait, on a deux temporalités dans ce livre. On a la temporalité d'une journée d'été, qui est une journée où Nina organise, comme chaque année, tous les étés, une super fête dans sa villa. Nina, c'est une des filles de... c'est Nina Riva, une des filles de... Comment il s'appelle son père ? Enfin, c'est un chanteur, Mick, c'est ça ? Oui, c'est ça. Mick, qui est un chanteur hyper connu, énormément connu, internationalement connu, donc qui a une carrière vraiment impressionnante. Et donc Nina Riva, c'est une de ses filles. Et donc on la suit, entourée de ses frères et sœurs. Et en fait, elle organise cette fête. Elle croise ses frères et sœurs parce qu'ils font du surf ensemble. Un des autres enfants de Mick Riva est un surfeur hors pair. Elle est surfeuse et mannequin. Un de leurs frères, qui est un demi-frère en fait, est photographe et suit le surfeur. Donc en fait, c'est vraiment un duo de deux frères pour mettre en valeur en fait le talent de comment il s'appelle ? De Jay. Jay, c'est le surfeur, et Hud, c'est son frère qui est photographe. Donc tous les deux, ils sont vraiment très proches. Et puis on suit aussi la jeune Kit, la plus jeune, qui, elle, se cherche. Je ne sais pas trop ce qu'elle veut faire, mais qui a vraiment beaucoup de talent pour faire du surf. Mais c'est pas... Personne ne le sait vraiment encore. Donc on a ces quatre personnalités qui, avec le personnage central de Nina, qui organise cette fête. Cette année, c'est un petit peu différent, car Nina... s'est fait larguer par son homme, et la villa est à son homme. Et son homme, c'est un tennisman internationalement connu. Et donc voilà. Donc il y a des conditions un petit peu particulières. Et Nina en a en fait ras-le-bol de toujours prendre sur elle. Et on va comprendre en fait avec l'autre partie de l'histoire qui est racontée, on va dire 20 ans avant, juste avant la naissance des enfants, ouais, vrai, la rencontre des parents de June et de Mick, leur rencontre justement à Malibu, leur amour, la naissance de leur amour, la naissance, leur mariage, les enfants et d'autres péripéties dont je ne vous parlerai pas. Et en fait, on va comprendre en lisant ces deux histoires chronologiquement dites séparées, pourquoi la journée actuelle se déroule comme ça. Donc ça commence à 7h du matin, ça se termine à 7h le lendemain matin, quelque chose comme ça. Et on sait par avance que la grande villa où il va y avoir cette fête annuelle où toutes les stars sont invitées va finir en flammes. Voilà. Donc, je spoil pas parce qu'il le disait aussi Cornelius, c'est-à-dire que c'est dit vraiment tout au début du livre, donc je vous spoil rien du tout. Je crois même que c'est écrit sur la quatrième de couverture. Alors,
En fait, c'était le moment parfait pour lire cette histoire parce que c'était les vacances. Donc, il y avait vraiment une ambiance estivale, Malibu, sans que ce soit. Voilà, c'est pas. Comment ça s'appelle ? Comment ça s'appelle la série Alerte à Malibu ? On n'est pas vraiment dans cette ambiance-là, mais on est dans l'ambiance surf, plage, fric, Star System. Avec des personnages extrêmement forts. Le personnage de Nina, et j'ai adoré le personnage de Nina. J'ai adoré aussi le personnage de Hud. Et voilà. Et Kit et Jay, un peu moins, mais franchement, chacun y trouvera son compte. En tout cas, le personnage de Nina est très très intéressant parce que là où on pourrait croire que ce sont des enfants qui ont eu une enfance facile, vous verrez très rapidement que ça n'a pas été le cas. Et c'est chouette de les voir évoluer. Moi, j'avais très envie d'y retourner. Pour moi, c'est vraiment un page-turner parce que j'avais vraiment envie de savoir ce qu'il en était et comment ça allait se terminer. Et puis, ça m'a fait la même sensation que quand j'ai lu Daisy Jones and the Six. J'avais vraiment envie d'y retourner, quoi. C'est très addictif. Ce sont des histoires très addictives. Elle a une plume très addictive, très rythmée. Pas exceptionnellement particulière. Enfin, il n'y a pas de passage que j'ai surligné en disant c'est extrêmement bien écrit. Mais en tout cas, elle a l'art vraiment du rythme narratif. Ça, je ne peux pas lui enlever. Et vraiment bravo, quoi, parce que c'était trop chouette. Et j'ai adoré. Et en plus, je le trouve très beau, ce livre. Et voilà, édition Charleston. Ouais, bravo pour cette couverture. Alors, je l'ai mis dans la catégorie Hot Summer Challenge, le livre le plus coloré de ma palle. Et dans le challenge des cahiers de vacances pour la catégorie sport avec plus de 500 pages. Je vous ferai peut-être un petit point sur les différents challenges de l'été, mais je sais pas, début septembre, je vous ferai peut-être un petit point là-dessus. Généralement, on va dire que je suis pas mal, mais que je suis pas sûre d'arriver à remplir toutes les catégories. J'ai aussi lu Soudain seul d'Isabelle Autissier, que je n'ai plus puisque je l'avais emprunté à mon père, et du coup, comme je l'avais, je lui ai ramené et je lui ai laissé. Donc Isabelle Autissier, qui est donc cette grande navigatrice qui a fait la première femme à avoir fait le tour du monde, je crois. Si je dis pas de bêtises, hein, je corrigerai si je dis des bêtises. Alors voilà, j'avais des idées un peu préconçues et j'avoue que j'avais peur de lire ce qu'elle avait écrit parce que pour moi, on ne peut pas tout faire dans la vie et être excellent dans quelque chose. C'est difficile d'être excellent dans autre chose, mais c'est possible. La preuve, c'est pas un énorme coup de cœur de lecture, mais j'ai été assez impressionnée, assez bluffée par ce livre qui raconte l'histoire d'un jeune couple qui vit ensemble depuis 3 ans. Ils sont assez jeunes, je dirais, ils ont 23 ans, quelque chose comme ça, 23. Peut-être lui est un peu plus âgé, je ne me souviens plus de leur prénom. Comme ça, moi, c'est dit. Donc, ils partent près des îles Galapagos, si je ne dis pas de bêtises. Mais en fait, leur trajet, ils décident de faire une année de voile, sur un voilier, une année sabbatique, où ils vont quitter leur boulot respectif et se mettre en disponibilité pendant un an pour pouvoir faire ce tour du monde. Tout le monde n'est pas d'accord dans leur famille. Oui, parfois, on ne comprend pas pourquoi ils font ça, mais concrètement, ils le font. Ils sont heureux de le faire. Et puis, un jour, ils arrivent près des îles Galapagos, si je ne dis pas de bêtises. En fait, non, ils sont prêts. Je ne sais plus. Bref, ils arrivent dans un endroit où vraiment, enfin, une sorte d'île déserte presque, mais une grosse, un lieu assez important où il y a surtout des scientifiques qui viennent, mais genre une fois par an. Et ils arrivent, ils posent leur voilier pas loin, ils prennent leur annexe et ils décident d'aller là-bas pour explorer un petit peu, voir parce qu'il y a pas mal de manchots, des choses comme ça. Et en fait, il y a une tempête qui se lève et ils sont un peu pris au piège sur l'île. Donc ils se protègent, ils se mettent dans un endroit et puis ils se disent, bah, demain matin on reprendra le voilier, sauf que le lendemain matin quand ils se réveillent, leur voilier n'est plus là. Et donc ils se retrouvent coincés sur cette île. La première partie du roman, qui est assez court, il doit faire 230 pages, quelque chose comme ça, la première partie du roman raconte ces nouveaux Robinson, en fait, cette histoire de un peu à la Robinson Crusoe. Voilà, soudain seul. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe? Comment ils s'en sortent?
des difficultés qu'ils ont à se nourrir, à se réchauffer, est-ce qu'ils s'en sortent dans leur couple, tout ça. Il va y avoir, je ne vais pas tout vous raconter, bref, ça raconte ça. Et ensuite, la seconde partie raconte le retour dans la société, actuelle, après justement ce drame. Et c'était vraiment étonnant de voir qu'elle a vraiment coupé ce livre en deux. Au début, je me suis dit, oh, c'est bizarre, ça s'arrête là. Puis là, maintenant, qu'est-ce qu'elle va nous raconter pendant cette seconde partie? Et finalement, cette seconde partie est tout aussi intéressante que la première, mais vraiment extrêmement différente. J'ai trouvé que c'était très intéressant, puisqu'elle nous raconte cette histoire et les comportements de ses protagonistes sans jugement. Et les choix faits par les protagonistes sont parfois extrêmement troublants. Et donc on se pose la question en tant que lecteur de qu'est-ce qu'on aurait fait à la place de ces personnes, comment est-ce qu'on aurait réagi, puisque forcément les décisions qui ont été prises à ce moment-là vont suivre les protagonistes à leur retour en fait dans le monde normal. Et j'ai trouvé que cette seconde partie était extrêmement intéressante. Et voilà, donc j'ai beaucoup aimé. Je sais qu'elle sort un nouveau livre là, pour la rentrée littéraire, qui a lieu à Venise d'ailleurs, et qui raconte... C'est ça ou je dis une bêtise? Je sais plus. Je crois que ça se passe à Venise. Je dis peut-être une bêtise. Je vous mettrai peut-être la couverture ici. Et ça se passe... c'est une fiction où la ville de Venise serait submergée. Et apparemment, c'est un peu la même structure, c'est-à-dire qu'une partie où elle va raconter le dégât naturel, et ensuite une autre partie. Donc ça m'intrigue, et je me demande si je ne vais pas me le procurer, parce que ben voilà, j'ai beaucoup aimé son écriture. Je trouvais que c'est bien écrit, vraiment. Donc si vous avez l'occasion de découvrir cette écrivaine... qui est navigatrice également, c'est pas mal. En plus, je l'ai lu, j'étais sur le voilier de mes beaux-parents, donc c'était rigolo. Et voilà, c'était aussi une bonne lecture d'été, parfaite pour le lieu où j'étais. J'ai aussi lu... Ah, ils sont où? Qu'est-ce que j'en ai fait? J'ai aussi lu des mangas. Alors ça, je vous l'ai déjà montré, je pense. J'ai lu... est-ce que je vous en ai parlé de ça? Non, je ne vous en ai pas parlé. Je ne sais plus. Adabana. J'ai l'impression que je vous en ai parlé. Peut-être. En tout cas, j'ai adoré. De toute façon, je vous en reparlerai parce que je vais m'acheter la suite, là, je pense, à l'automne. Donc, vraiment, super chouette. Un super manga d'horreur. non, pas d'horreur. Thriller, angoisse... En fait, je ne pense pas que vous en avez parlé, donc je vais en parler un petit peu. On suit une jeune fille qui... la première scène est assez troublante. Je peux montrer. Donc c'est assez, franchement, les dessins sont superbes. Donc on va suivre cette jeune fille qui est là. Et là, c'est sa meilleure amie qui est retrouvée morte. Et vous voyez qu'elle a une scie à la main. Donc... il y a ce crime, et en fait, cette jeune fille va... c'est Mizuki, ça ? Oui, c'est Mizuki. Cette jeune fille va aller avouer le meurtre de sa meilleure amie, qui s'appelle Mako Igarashi, et qui était apparemment harcelée par son petit ami, que je vais vous montrer... Son petit ami qui s'appelle comment? Mako, qui apparemment l'a harcelé, la victime. Et donc en fait c'est l'histoire de ce triangle, qui serait peut-être un triangle amoureux, c'est pas clairement défini, et de l'enquête faite par un agent de police qui est un petit peu paumé, on va dire. Alors attends, il est ouf, il a une tête un peu bizarre. Je vais essayer de vous trouver.
On ne voit pas bien, mais c'est pas grave. C'est lui, là. Donc, en fait, il va la voir au parloir pour essayer de comprendre ce qui s'est passé parce qu'il ne trouve pas ça net. Il trouve que c'est bizarre qu'elle vienne se dénoncer comme ça, alors que dans son histoire, il n'y a rien qui pourrait faire croire vraiment qu'elle avait des raisons de tuer sa meilleure amie. Parce que vraiment, elle était vraiment très proche d'elle. Je crois qu'il y a 3 tomes, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, l'auteur, c'est Non. Peut-être Non, je ne sais pas comment ça se prononce. Voilà. Et donc c'est pour public averti, parce qu'il y a trigger warning, il y est question de viol, et même il y a des images très suggestives du viol. C'est extrêmement violent. Moi, je le ferai pas lire à mes garçons tout de suite. Hein. Surtout qu'en plus, je voudrais avoir les 3, parce que je pense que... Enfin, le premier, vraiment, ne va pas vous donner les clés, et est vraiment est percutant dans cette violence physique. Donc... faites attention si c'est pas pour tout le monde quoi. En plus, ces personnages sont extrêmement gênants. Les 3 là, les 3 protagonistes sont assez gênants. Mais c'est très addictif et j'ai très envie de lire la suite. Donc je crois que les 2 premiers tomes sont sortis en français. Je sais pas si le 3e est déjà sorti. J'arrive plus à parler. J'ai lu aussi, je sais pas si je crois que je vous l'ai dit, j'ai lu Les Carnets de l'apothicaire, le tome 5. C'était plutôt sympa. On a acheté le tome 6 et le tome 7. Je sais plus où, mais si, on les a achetés à la librairie d'Uzès. Comment elle s'appelle? Je sais plus. Et j'ai lu aussi le tome 4 de Deep Sea Aquarium Magmel chez Vega. Très sympa encore. On va découvrir l'histoire de cette jeune fille là, qui est soigneuse dans l'aquarium. Je vous en parle pas plus que ça, mais c'était assez touchant, son histoire, j'ai trouvé. Et j'ai lu le premier tome du Voleur d'estampes de Camille Moulin-Dupré chez Glénat, qui est en 2 tomes et qui est un manga à la française, puisque l'écrit Ven, l'autrice, est française. Donc ça se lit à la française. Alors j'étais un peu déconcertée. Alors le dessin est extrêmement particulier, épuré. Mais alors j'ai trouvé ça finalement, j'ai trouvé chouette le dessin. Au début je trouvais ça un peu bizarre. Mais finalement ça participe bien à l'ambiance de ce cours, je dirais un roman graphique presque. C'est pas un manga hein, puisqu'il n'est pas à l'envers. C'est un roman graphique, inspiration japonaise, chinoise, japonaise, Japon, fin du 19e siècle. Dans une société en crise, le voleur mène une double vie. Le jour, il œuvre dans le restaurant portuaire de son père. La nuit, il dévalise la colline au palais. Ce qui le guide, le frisson de l'aventure, la sensation de liberté, le sentiment que le monde lui appartient. Jusqu'au jour où il cambriole le gouverneur, jusqu'au jour où sa fille découvre son visage, entre l'héritière promise à un destin qu'elle refuse et le voleur piqué dans son orgueil, se noue alors un étrange chasse et croisée. Effectivement, le mot étrange est très bien choisi, puisque l'atmosphère est très étrange dans cette histoire, qui se lit très très vite. J'ai trouvé que c'était pas mal. J'ai pas trouvé ça extrêmement addictif, mais ça se lit vraiment bien, quoi. C'est original dans le dessin. Alors, j'ai regardé Camille Moulin-Dupré, elle a fait que ça. Hein. Donc, elle a fait ses 2 premiers tomes. Je sais pas si elle a fait d'autres choses. Je pense pas qu'il soit bien noté. Alors moi, je l'ai eu à 1€, en fait, à ma bibliothèque, qui le déstockait, en fait, dans une braderie. Et je pense que le 2e tome est à ma bibliothèque. Je l'achèterai pas plus que ça, mais je le prendrai. Et du coup, celui-là, je le mettrai peut-être dans une boîte à livres. Voilà, ou je mettrai sur Vinted à 1€, quoi. Voilà. Parce que c'est pas non plus génial, donc je garderai peut-être pas dans la bibliothèque. D'ailleurs, en parlant de Vinted, je vais faire un gros tri de mes bibliothèques là, et je vais mettre des choses sur Vinted prochainement. Je vous avertirai. Le lien vers la boutique est toujours en barre d'infos. En ce moment, j'ai fait quelques ventes, donc n'hésitez pas à aller voir. Il y a quand même encore des choses dans ma boutique. Je pense que je vais enlever tout ce qui est fringues parce que. Ça m'ennuie, je vais tout donner, je pense. Et je vais juste mettre des bouquins sur ma boutique Vinted. Et je vais essayer d'être un peu plus régulière pour vider un peu ma bibliothèque, faire de la place pour les nouveautés. Voilà.
Donc ce carnet de lecture estival se termine là. J'en commence un tout de suite après et qui va courir jusqu'à la fin du mois, donc à peu près 10 jours. Et je repars un petit peu en vacances demain matin et je reviens dimanche, je reprends le boulot la semaine prochaine. Mais mes enfants ne seront pas là au début, puis après il y a la rentrée et tout, donc on reprendra un rythme normal. Et puis après il y a le Pumpkin Autumn Challenge. J'ai trop hâte, moi je suis presque en mode automne. Non, pas encore quand même, mais on n'est pas loin. Je suis surtout en mode otite, parce que j'ai une double otite aux oreilles, donc d'où ma tête un petit peu fatiguée, mais ça va, c'est quand même les vacances, donc vous inquiétez pas pour moi, tout va bien. Je vous laisse là, je vais faire le montage de cette vidéo là, bientôt, et puis pouvoir la proposer peut-être fin de semaine, je sais pas, je vais voir. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt sur la chaîne, et bonne lecture, bye bye.